Salut les gardiennes et gardiens, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour cette petite vidéo hebdomadaire sur la partie donc où Xur et que vont-ils. Donc en ce week-end du 26 mars jusqu'au donc du vendredi 26 mars jusqu'au mardi 30 mars. Et attention, je pense que mardi 30 mars ce sera pas à 18h, ce sera à 17h car pour rappel on change d'heure ce week-end. Allez. Donc ce week-end, Xur se trouve à la tour. Donc on va aller au spawn principal. Et le temps d'arriver sur place, pardon, on voit ce qu'ils nous vendent de beau ensemble. Donc voilà, nous sommes arrivés à la tour et donc Xur se trouve du côté du hangar. Hein. Nous y allons donc bien sûr. Bon, je laisse le chemin hein, pour les nouvelles personnes qui joueraient sur Destiny, histoire qu'elles aient le chemin complet. D'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres gardiens qui doivent être en train d'inspecter ce qu'ils vont. Voici ce que vous propose les. Qu'est-ce qu'ils nous vendent de beau cette semaine? Ah, ils nous vendent la belle affaire. La belle affaire, pour rappel, c'est un exotique. Donc, bien sûr, c'est un automatique, enfin un fusil automatique cinétique hein, qui est du style Gatling avec un très fort, une très forte cadence, double impact, bien sûr. Et vous avez la possibilité également de lui mettre un catalyseur. C'est une arme qui a eu son heure de gloire au début de D2. Après, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas joué avec, mais elle doit toujours être viable. Au niveau des armures, nous avons la rapière des chanceux pour le chasseur. Donc pour rappel, ça vous permet d'avoir une capacité, enfin d'augmenter la capacité d'enchaînement des grenades à répercussion. Et en fait, si vous faites des frags avec, vous avez une chance de récupérer complètement votre grenade. Et si vous faites un enchaînement complet, ça recharge toujours votre grenade. Alors on a des stats globales 61, ce qui n'est pas forcément mauvais. Par contre, on a vraiment des stats pour les autres qui sont vraiment très homogènes. En fait, il n'y a pas vraiment de stats qui en découlent hein, ou qui se détachent plutôt. On aurait bien aimé, par exemple, vous voyez, avoir une discipline à 25, pourquoi pas, pour pouvoir avoir une grenade plus rapidement. Mais de toute façon, si vous ne l'avez pas, ça reste un bon torse pour ceux qui veulent jouer la grenade à répercussion. Pour le Titan, nous avons le masque du Born. Le masque du Born a été une grosse terreur au niveau du PVP, hein, puisque en fait, il permet d'avoir un surbouclier lorsque vous vous faites toucher par un ennemi et surtout vous marquez votre ennemi en fait, donc vous pouvez voir exactement où il se situe, même s'il se situe derrière un mur. Du moment qu'il vous a touché, vous allez pouvoir le voir derrière le mur. Par contre, on a des perks vraiment basses, 59 c'est pas énorme, on va dire que ça se détache un peu en votre mobilité, discipline et force, mais les perks sont vraiment, enfin les statistiques pardon, sont vraiment assez faibles. Par contre, de toute façon, si vous l'avez pas ou si vous n'avez pas mieux, hein, bah, vous le prenez bien sûr. Pour l'arcaniste, nous avons le feu chromatique. Alors le feu chromatique, pour rappel, ça vous permet lorsque vous jouez avec une arme cinétique, mais surtout lorsque vous jouez avec les doctrines donc abyssales, solaires ou cryo, ça ne fonctionnera pas avec la doctrine stase. Donc lorsque vous utilisez une doctrine solaire, abyssale ou cryo, on va supposer que ce soit une doctrine abyssale. Lorsque vous faites un kill avec votre arme cinétique, en fait, ça crée une explosion élémentaire liée à la doctrine. Donc, ça va vous créer une explosion donc abyssale. Ça sera la même chose si vous aviez votre doctrine abyssale d'équipée ou votre doctrine cryo. Dans ces cas-là, vous générerieux une explosion cryo. En perks global de 60, ça pourrait aller. Par contre, elles sont un petit peu mieux dans la mesure où on s'approche des 15, donc on peut arriver à 24-25 si on rajoute quelque chose. En l'occurrence, de toute façon, vu l'utilité du torse qui n'est que sur les kills que vous faites avec votre arme cinétique, c'est pas très grave que vous ayez pas, par exemple, de l'intelligence au maximum. Par contre, récupération, intelligence et force, ça peut être pas mal, vous pouvez maximiser au moins l'une des trois. Mais ça reste quand même un peu faible. Et comme d'habitude, hein, si vous l'avez pas ou si vous n'avez pas mieux, vous pouvez le prendre bien entendu.
Et pour rappel, nous avons toujours l'engramme prédestiné. Un engramme prédestiné, pour rappel, ça vous permet d'avoir une arme ou une armure que vous n'avez pas, mais antérieure à la saison 12 et la saison 13, puisque pour la saison 12 et la saison 13, les équipements d'armure exotique se lootent uniquement dans les secteurs oubliés en mode légende et uniquement en solo. Mais si vous avez toutes les armes et armures en dehors de la saison 12 et de la saison 13, ça vous permettra de looter une armure avec des perks aléatoires. Ça peut toujours être intéressant. Personnellement, je le prends toutes les semaines. Et enfin, vous avez le cryptage exotique. Le cryptage exotique, c'est pour rappel une quête que vous prenez donc au niveau de Xur. Et si vous êtes solo, il va falloir que vous fassiez soit 21 parties d'assaut, soit 21 parties d'épreuve, ou soit 21 parties de gambit. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai jamais fait le test, il faudrait que je le fasse pour savoir si on peut mixer des assauts, des épreuves et au gambit. Auquel cas, c'est 21 au total, ce qui, a priori, devrait pouvoir être le cas. Autrement, si vous êtes en clan, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est beaucoup moins que 21 parties qu'il faut faire dans ce cas-là. Et pour rappel, cette ressource vous permet soit d'avoir un engramme prédestiné supplémentaire ou soit d'aller au kiosque exotique et de pouvoir acheter une arme d'une ancienne quête exotique que vous n'auriez pas fait. Donc voilà, ça va être tout pour la revue de Xur. Donc où est-il et que vont-ils? Donc en ce week-end du 26 mars jusqu'au mardi 30 mars, mais n'oubliez pas, ça sera probablement 17h. Après 17h, je pense qu'il y aura le reset comme on change d'heure ce week-end. Et sur ce, je remercie tous ceux qui auront regardé cette vidéo, toutes les personnes qui auront pris le temps de la regarder. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, gardiennes et gardiens, sayonara et prenez bien soin de vos spectres.